Salut à tous, c'est Eric le coach Galagobzi, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment jouer le morceau La Dispute, une pièce de Jan Tiersen parue en 1997 sur son album Le Phare. Et ce morceau, comme tant d'autres du même auteur, se retrouve également en guise de bande originale du film Amélie Poulain, paru en 2001. Si vous lisez la musique, je vous invite chaleureusement à aller acquérir la partoche. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description. Vous cliquez dessus, ça vous ramènera chez les copains de chez Quick Partition. Autrement, c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, on va travailler vraiment méthodiquement, main par main, lentement et par petits fragments. Bref, on a vachement de boulot, alors je fais pas durer le suspense. Je vous propose qu'on s'y mette genre, maintenant ? Alors, comme il est de coutume au piano, nous allons travailler vraiment consciencieusement, mains séparées, lentement. C'est vraiment l'étape essentielle pour arriver ensuite à mettre les choses mains ensemble avec un peu plus d'apaisement. Je vous propose donc qu'on commence par la main gauche. C'est elle qui va nous permettre de donner tout de suite le tempérament valse de la pièce. Donc, on repère ici le petit point bleu, voilà, qui vous montre où se trouve le do du milieu. Ce sera plus simple pour s'y retrouver. Et à la main gauche, on va se placer sur un accord de mi bémol majeur. Les notes seront mi bémol, sol, si bémol. Ça tombe bien, c'est la tonalité de notre morceau. Dans ce morceau, si vous avez acquis la partoche, vous voyez, après la clé de sol et la clé de fa, qu'il y a trois bémols à l'armure. Ça va être le si, le mi et le la. Donc dès qu'on aura la note si, mi ou la, elle sera forcément bémol, sauf ordre contraire par un petit bécard. Donc, vous disais-je, le premier accord sera un mi bémol majeur. Mi bémol, sol, si bémol. Ça, ça durera sur les deux premières mesures. Le deuxième accord, ça va être un sol majeur renversé. On va jouer ré, sol, si bécard. Et déjà avec ça, on a l'empreinte des deux accords qui couvriront les quatre premières mesures. Alors pardon, mi bémol, sol, si bémol, mi bémol majeur. Pour le deuxième accord, donc, vous ôtez le mi bémol, vous le remplacez par un ré. Le sol qui était présent sur l'accord précédent, il reste au même endroit. Et le si bémol qu'on avait au pouce devient si bécard. Donc il y a un mouvement chromatique extérieur. La note la plus aiguë grimpe et la note la plus grave descend. Donc... Ok, donc avec ça, on couvre même 8 mesures pour être exact. Alors, c'est quoi le petit moteur rythmique qui va nous permettre de nous accompagner là-dedans? Eh bien, on va faire ceci, déjà une fois sans pédale. Ok, voilà, c'est pas mal, hein? Alors, si je prends une seule mesure, je tape ma note la plus grave, la basse. Je vais garder cette note-là enfoncée et je vais jouer ensuite par-dessus les deux notes ensemble, le sol et le si bémol. Comme on est dans une mesure à trois temps, comme dans toutes les valses, et bien du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, j'ai joué deux mesures. Voilà, c'est tout. Et ensuite, je ferai pareil sur l'accord de sol majeur. Je tape mon ré au petit doigt. 1, 2, 3. Vous voyez, je laisse bien enfoncer jusqu'à la fin du troisième temps. Quand le troisième temps a joué, là, je ressoulève le petit doigt, bien sûr, pour refaire la même chose sur les mesures 3 et 4. Voilà. Donc ça, déjà, vous le bossez de cette façon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous faites tourner ça en boucle plein de fois, de manière à ce que ça s'assouplisse un peu. Dès que c'est bon, on rajoute la pédale. Si j'appuie dessus, ça va donner ceci. Voilà, là tout de suite, ça crée une atmosphère, n'est-ce pas? Alors, on va être très rigoureux sur le placement de cette pédale. On ne la changera que quand on change d'accord. C'est-à-dire, au tout début du morceau, j'appuie. Ok, je fais mon histoire deux mesures, en mi bémol majeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est là donc qu'on change vers sol majeur et que tout va se jouer pour le changement de la pédale. Je vais taper le premier temps de ma mesure 3, le premier temps de l'accord de sol majeur. Je joue cette note, le pied est encore enfoncé, mais dès que la note est entendue, le pied va faire se réappuyer. J'ai fait ce qu'on appelle un tuilage. Si vous êtes habitué au tuto, vous m'entendez dire ça quasiment à chaque vidéo. Hein. En même temps, c'est comme ça que ça rentre. Hein. Donc si je vous enchaîne les quatre premières mesures, premier accord mi bémol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, boum, tchic, tchic, 2, 3, boum. Je ne change pas la pédale puisque l'accord est le même. Dès que vous êtes arrivé à la fin de cette quatrième mesure, vous referez la même chose une deuxième fois sur les mesures 5 à 8, à savoir mi bémol encore. Donc là, c'est pareil, j'étais en sol, mesure 3, mesure 4, je reviens sur mi bémol, j'attends que ma note soit enfoncée, boum, tchic, tchic, 2, 3, boum, tchic, tchic, c'est marrant, et je refais sol majeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, sympa. Voyons ce qui se passe maintenant à la main droite. Alors là, on va faire la mélodie directement comme ça. Donc on va se démarrer sur un mi bémol également.
avec le deuxième doigt de préférence. Alors, je vous joue pareil les 8 premières mesures, on est fou. 1, 2, 3, ensuite si bémol au petit doigt, et ensuite mi ré. Je vous le refais en comptant. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Là, on a ce qu'on appelle à la fin de la mesure 2 un rythme de croche pointé double. C'est pour ça que le mi bémol va être bref, ce qu'on n'aura pas dans la partie A' qu'on verra plus tard, où là c'est que de la croche. Là, en l'occurrence, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ensuite, si bémol au petit doigt, 1, 2, 3, et à la fin de ce troisième temps, on va balancer trois notes, c'est un triolet de double. On va faire ré mi fa mi, enfin, dernier mi bémol qu'on joue, c'est le premier temps de la mesure d'après. Donc, je vous refais cette mesure 4. 1, 2, 3, 1. Ok, 1, 2, 3, balaladam. Voilà. On verra un tout petit peu après, quand on s'occupera de l'interprétation, qu'on n'a pas besoin d'aller trop vite là-dessus. J'ai entendu plein de versions où les personnages jouent comme ça, hyper vite. Non, pas du tout. Bref, je vous le refais un petit coup, et puis après on voit, mains ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc il n'y a quasiment aucune différence entre les mesures 1 à 4 et 5 à 8. C'est juste la fin qui change, on ne refait pas le... Ok, voyons mains ensemble, tranquille, ce qui se passe. Alors, tout ça, j'aurais pu jouer avec la pédale. De toute façon, c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Alors, les deux premières mesures déjà, sans pédale. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Ok, ça c'est le premier temps de la mesure 3. C'est difficile de ne pas le faire. Donc, j'ai tapé mon mi bémol avec le mi bémol main gauche. 1, 2, 3, si bémol main droite, re mi bémol main gauche. 1, 2, 3, mi bémol ré. 2, 3. Ok. La même chose avec la pédale. Je la laisse enfoncer, je ne la change que quand je tape le ré au petit doigt, comme on a vu tout à l'heure sur l'accord de sol majeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1. On continue. 2, 3, ré mi fa mi. D'accord. Donc quand vous avez fait le petit triolet double et qu'on rejoue mi bémol à la main droite, c'est là qu'on retape mi bémol à la main gauche. Donc mesure 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite pareil du coup. 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, vous savez faire les mesures 1 à 8, c'est trop bien. On voit les 8 suivantes en commençant déjà par la main gauche. Donc les 8 suivantes, c'est quand ça sonne comme ça. Voilà. Donc, main gauche d'abord. J'avais terminé sur un ré, petit doigt sol si, l'accord de sol majeur. À la mesure 9, je vais mettre mon quatrième doigt sur un fa, jouer ensuite la bémol avec l'index et do ensemble. Il s'agit d'un accord de Fa mineur. Si vous ne savez pas trop ce que c'est les accords majeurs, les accords mineurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui est sur YouTube, cours piano grand débutant, je ne sais plus quoi. 4 millions de vues elle a fait, donc je pense que c'est quand même utile. Donc on était sur un Fa mineur, ça ce sera sur les mesures 9 et 10. Sur les mesures 10 et 11, on gardera le pouce sur le Do et on ira chercher Mi bémol et Sol ensemble. Ça pareil, c'est l'empreinte de l'accord. Il s'agit d'un Do mineur qui est renversé avec Mi bémol à la basse. Et pour quasiment terminer, bon, faisons déjà que ces deux-là. Alors là, c'est le même délire, on fait deux mesures sur chacun de ces deux accords. Donc genre 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mi bémol, je change d'accord, je change de pédale, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, dès que vous savez faire ça, vous allez vous diriger à nouveau vers le Sol majeur renversé de tout à l'heure, à savoir Ré, Sol, Si, d'accord? Deux mesures dessus, pareil. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on termine cette séquence par un accord de Do mineur. Il y a une mouche qui vole depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous la voyez, ça m'agace. Et petite figuration impromptue. Oui, dernier accord en l'occurrence, Do, Mi bémol, Sol, un accord de Do mineur. Et là, on fera deux mesures avec Poum, Tchac, Tchac. Jack, Jack. Voilà.
Donc si on prend que l'empreinte des accords, et je vous invite à le faire, on va trouver dans les mesures 9 à 16 un accord de Fa mineur, Fa la bémol Do, ensuite Mi bémol Sol Do, après Ré Sol Si, le Sol majeur renversé, et Do mineur, Do Mi bémol Sol à l'état fondamental. Alors ça, vous vous entraînez à les faire tourner, tranquille. En vous occupant bien de la pédale, on refera ça une deuxième fois d'affilée, ce qui nous emmènera jusqu'à la fin de la mesure 24. Yes, et fin d'ailleurs de la section A. La main droite, que fait-elle? Elle va démarrer sur un Fa, même chose que la main gauche, avec un deuxième doigt. Et elle va faire ça. 1, 2, 3. Après, Do avec le petit doigt. Et on retrouve le même délire qu'au départ, à savoir le coup de l'accroche pointée double qui va de Fa vers Mi. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1. 2, 3, après je retaperai mon Do, 1, 2, 3, et après Mi bémol Ré, et 1, 2, 3, et pour terminer, Si bécart au petit doigt, 1, 2, 3, Ré Do, 2, 3, il me reste un tout petit bout, et vous savez faire tout ça, donc 1, 2, 3, Do, 2, 3, Fa Mi bémol, 2, 3, Do, 2, 3, Mi bémol Ré, 2, 3, Si bécart, 2, 3, Ré Do, 2, 3, et pour terminer, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, cette petite montée, j'étais en Do. Je jouerai avec l'index. Ré, Mi, bémol. C'était l'accroche pointée double. Et ensuite, je fais un passage de pouce. Alors, vous voyez, je passe vraiment mon pouce sans tourner le poignet ni le bras. Je suis là-dessus. Ré, Mi, Fa, Sol. Et comme ça, je me retrouve bien placé pour redémarrer. C'est pas exactement la même beauté que tout à l'heure. Puisqu'on avait un 2 au lieu du pouce, mais après c'est tout pareil. On retrouvera. Voilà. Et ce coup-ci, il n'y a plus le. Ça, c'est que la première fois. Essayons tout ça mains ensemble. Donc je suis sur un Fa à la main droite, Fa à la main gauche. Je suis mesure 9. Pardon, pas avec le majeur, avec l'index sur le Fa. 1, 2, 3. Mi bémol au deux mains, 2, 3, Do, 2, 3, Mi bémol Ré, 2, 3, Si bécart, 2, 3, Ré, Do, 2, 3, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière, à faire des petites pauses si c'est nécessaire, de manière à bien choper déjà ce texte jusqu'ici. Alors je reprends mesure 15, c'est quand on était atterri sur le Do, et qu'on faisait l'accord de Do mineur à la main gauche. Donc 1, donc 1, 2, 3, Ré, Mi bémol, Fa, je passe mon pouce. Ensuite, je rejoue exactement pareil, sauf que c'est plus l'index, mais le pouce sur le Fa. 1, 2, 3, Do petit doigt. Après, c'est nickel, on sait déjà le faire, a priori. 3. Après, vous allez être content parce que là on a terminé la partie A, toute la partie A prime. Tiersen adore faire ça, il rejoue exactement la même mélodie quasiment, mais il va balancer la mélodie une octave au-dessus. On va voir tout de suite ce qui se passe. Je vous rejoue lentement toute cette partie A et on attaque la partie A prime qui sera beaucoup plus rapide. Là on a fait vraiment, enfin on l'a bien dégrossi. Alors, c'est parti. 1. Sol majeur renversé, Si, 2, 3, Ré, Do, 2, la petite montée de gamme, Fa, 2, 3, mesure 18, «
pourrait terminer le morceau comme ça. Si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, déjà, vous vous dites que c'est votre challenge d'arriver jusqu'à la mesure 24. Alors, et là, on va attaquer la chose la plus importante quand on joue du piano, quand on joue de la musique de manière générale, c'est l'interprétation. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer ça fort comme une marche, genre... Voilà, ce serait faire preuve d'un manque de sensibilité assez effarant. Là, on va se fier à ce que, aux indications qui sont marquées sur la partition. Alors, si vous regardez, enfin, je vous le dis si vous ne l'avez pas, il y a un petit P au début. Le P comme ça, ça veut dire piano. En gros, vous imaginez que le volume que vous pouvez donner avec la force de vos doigts pourrait être symbolisé par le bouton d'une chaîne IFI, d'accord ? De 0 à 10, quoi. Le piano, c'est quand on est à peu près, allez, genre, entre 3 et 4. Faut pas faire trop bas tout de suite, parce que sinon après c'est difficile de redescendre. Ça, je dirais plutôt genre 3,5. Donc on y va doux, mais pas trop doux non plus, surtout pas trop fort. Et là, dans cette mesure-là, je ferais bien une petite hésitation. Là, c'était beaucoup. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment interpréter la chose pour que ce soit agréable et surtout conserver l'attention des gens jusqu'au bout. Parce que ça dure quand même 5 pages, les amis. Donc voilà, donc il y a deux autres symboles que vous pourrez constater. C'est le crescendo, qui ressemble à ça. Ou je sais pas, parce que là, je le vois à l'envers. Qui veut dire qu'on augmente progressivement sur notre bouton de chaîne IFI. Et l'autre symbole dans l'autre sens, qui indique qu'on redescend. La chaîne IFI. C'est pour ça que quand on arrive à la mesure 23 et 24, on trouve PP, pianissimo. Donc là, on n'est plus qu'à genre 2 sur 10, du coup, puisqu'il y a encore le PPP qui existe, genre 1 sur 10. Difficile de faire moins que ça. Donc il faut faire en sorte, quand vous mettez des intensités, que ce soit le plus progressif possible. Alors, voyons ce qui se passe dans cette partie A'. Ah, c'est trop cool, la main gauche, elle est exactement pareille. Oh, bonheur! Et à la main droite, on va retrouver la même mélodie. C'est pour ça que j'adore expliquer les morceaux de Tiersen. On va jouer ça comme ça. Au lieu de faire un mi bémol tout seul comme ça, on va faire toute la mélodie en octave. Donc tout à l'heure, on avait mi, si, mi, ré, d'accord, c'était ce bas. Et bien là, on va faire mi, mi, si bémol, mi bémol, ré. Voilà. Voilà, il y a un tout petit truc qui change, c'est qu'il a viré le coup de l'accroche pointée double. Au début, on avait, vous savez, 1. Vous voyez, c'est tadam, c'est un petit peu rapide comme ça. Là, pas du tout, c'est juste de l'accroche. C'est encore plus confortable. Du coup, je vous le fais pas vite et vous essayez de le choper comme ça. Mi bémol, 2, 3, si bémol, 2, 3, mi bémol, ré, 2, 3, 1, 2, 3, ré, mi. Voilà. Là, il fait pas le... Ça serait vraiment chaudard, il s'est dit non, 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 c'est moche. Je vous le rejoue du coup et après je ne parle plus, j'enquille. 3, si bémol, 2, 3, et 1, 2, 3, si bécart, 2, 3, ré, mi bémol, 2, 3, si bémol, 2, 3, mi, ré contient deux mesures. Après, on attaque le fa mineur, fa, fa, 2, 3, do, do, fa, mi bémol. Ensuite, on attaquera la partie B. Donc cette séquence, le A' ne devrait pas du tout vous embêter si vous avez vraiment bien bossé la partie A, évidemment, avec le placement de pédale idoine. Comme la main gauche est la même et que la mélodie 90%, même 95%, elle est similaire, il y a juste besoin de faire tout ça en octave. Bon, bah écoutez, on va pouvoir voir la partie B. C'est tout de suite, c'est maintenant. J'adore ces jingles. Alors, la partie B, c'est quand ça fait ça. Etc, etc. Alors là, on va bien travailler la main gauche, parce que sous-suit, ça change. On va conserver, en fait,
les mêmes accords, c'est-à-dire qu'on va être sur du mi bémol, du sol majeur, du do mineur, tout ça, mais ils vont être joués sous d'autres formes et surtout avec un développement différent. C'est-à-dire on n'est plus sur le poum, jack, jack, là on est sur une série de six croches qui vont habiller chacune des mesures. Alors, les notes en question, mi bémol petit doigt, on gardera le mi bémol enfoncé toute la mesure, comme par contre, comme on avait au départ. 1, et c'est le si bémol à l'index. Deuxième temps, c'est le mi bémol. 1 et 2. Ensuite, je rejoue le si bémol, mais ce coup-ci avec le 3. Parce qu'après, on aura besoin de tirer le pouce jusqu'au fa du dessus. Et je vais re si bémol, et vous avez terminé. Et vous avez pigé surtout comment va fonctionner cet accompagnement. Je garde la pédale enfoncée, je fais tourner ça en boucle 2-3 fois. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et voilà. Si le coup du changement avec le 3 ici vous embête un peu, il est possible également de démarrer directement avec le troisième doigt. Genre ça, troisième, comme ça il est déjà placé. Ok, ça tire juste un peu plus. Là, franchement, c'est comme vous voulez. Ok, donc ça, on le fait deux mesures. Une mesure, c'est 1 et 2 et 3. Et deuxième mesure, 2 et 3. Et après, on va trouver un accord de sol majeur. Tout à l'heure, nous, on le faisait comme ça. Là, il a rajouté un ré. Il a doublé la note qui est en bas. Il l'a mis au-dessus. On va utiliser ce doigté-là. Ça, c'est pas fastoche, ça tire un peu. Et là, on tape le ré d'abord. Donc, ré, sol, si, ré. Si, sol et une deuxième fois. Ok, bon bah ça, nouveau challenge, vous faites tourner ces deux mesures-là. J'ai changé de doigté, j'ai mis 5-4. Ça, c'est peut-être encore plus embêtant que 5-3. Je vous laisse essayer, vous voyez ce qui vous arrange le plus. Dès que c'est fait, on rejoue la même chose. Donc, mi bémol deux fois. Et puis, sol majeur. Voilà. Donc là, on est rendu mesure 56, oui, quand même. Alors, voyons ce qui se passe à la main droite. On va démarrer par un mi bémol avec le quatrième doigt. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1. Donc j'ai fait mi bémol, ré, do, si, voilà. 1, 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1. Ok, je descends. Et je remonte, voilà, c'est tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne toujours par séquence de 4 mesures. 4 mesures qui sont exposées, on rejoue ces 4 mesures-là et on fait un petit changement à la fin. Technique d'écriture très courante qui marche très très bien. Mains ensemble ? Ouais, allez, mains ensemble, d'accord. Pas vite, hein. Avec la pédale tout de suite, ça fait de l'effet, c'est chouette. Mi bémol, main droite, mi bémol, main gauche. 1. Si vous arrivez là déjà, c'est bien. 1 et 2 et 3 et 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 mesure 53. 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 6 écarts. 2 et 3 et deuxième mesure. Et après, ça change en fin mesure 57. On va se diriger vers un Fa mineur. Donc, comme tout à l'heure, on faisait comme ça. Là, c'est pareil. Il prend sa basse, il la double. Ça, c'est notre accord qu'on tiendra mesure 57-58 avec l'arpège similaire au précédent. Pardon. 1 et 2 et 3 et deuxième fois. Donc, dès qu'on a fait ça, machin, on va se diriger vers un Do mineur, hein, comme tout à l'heure, pareil, mais renversé. Donc, mi bémol, sol, do, mi bémol. Même arpège. 1 et 2 et 3 et 1 et 2
et ensuite sol majeur, je vous avais dit c'est les mêmes harmonies, ré, sol, si, ré, ok, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et puis do mineur, pareil, 1 et 2. Donc même chose, pour que ce soit efficace, vous bossez au début que les positionnements de chacun de ces accords, fa mineur, do mineur renversé, vous les faites par deux hein, au départ. Vous cherchez vos doigtés, si jamais ceux que je vous montre vous semblent un petit peu compliqués, là quand même ça tire quoi qu'il arrive, hein. Vous passez au suivant, ré, sol, si, ré, et puis vous faites le dernier, voilà. Ça fait très cadence classique. Ok, la main droite, elle fait quasiment rien, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment ça fonctionne alors qu'il n'y a rien quoi. C'est Do avec le troisième doigt qu'on va tenir 2 mesures et demi. Je vous le montre avec la main gauche parce que sinon c'est nul. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Ré, Do et 2 et 3. Là il y a carrément 2 mesures qui sont tenues. Après on va chercher le Si à la main droite. On tient 2 mesures pareil. Et ensuite Sol au pouce à la main droite. Tape le Do mineur à la main gauche. Formidable, je vous le refais un petit coup et puis on voit la fin de cette partie B. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Ré, Do. Si. Et puis Sol sur Do mineur. 1 et Sol, Do. Et là, ça change un tout petit chouïa à la main gauche. Donc, on a des mesures 64. On va les chercher. On était sur Do mineur. On va chercher un Fa mineur renversé. Vous gardez Do, Do et vous faites Fa la bémol au milieu. Ça, c'est votre nouvel accord. 2 mesures dessus. 1 et 2 et 3 et 1. On revient ensuite sur Do mineur. 1 et 2 et 3 et 1. Ok, donc clac, clac. Après, on retrouvera, non, on ne l'avait pas encore eu celui-là, je crois, c'était Si, Ré, Sol, Si. C'est le même accord de Sol majeur que ce qu'on faisait tout à l'heure, mais on double le Si. Et dès que vous avez fait celui-là, vous reviendrez sur Do mineur. Ok, donc, Fa mineur renversé, Do mineur, Sol majeur, bah, Si, donc Sol majeur renversé, et Re, Do mineur. Désolé, c'était pour la frime. Alors, avec l'accompagnement, enfin les arpèges. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et Do mineur. Sol majeur, bas Si. Et je termine cette séquence à nouveau par Do mineur. Pour ceux qui s'y connaissent, Do mineur, c'est la relative de Mi bémol majeur. Je n'en dirai pas plus, gardant une part de mystère. Alors, je vous refais tout ça, toute cette partie. Non, je vous rejoue d'abord depuis la mesure 57 pour être sûr que vous ayez bien tout. Do main droite, Fa main gauche, Fa mineur. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Ré, Do. Ensuite, le Si main droite. Puis le Sol. Sol et un Fa mineur renversé. On va t'avoir un Ré. Ah merde! Désolé. Mesure 65, mesure 66. Ré, Do. Si aux deux mains, Si bécard. Voilà, donc pour bien le choper tout ce passage-là, parce qu'après c'est un peu rapide quand même, vous le travaillez déjà pas vite du tout, et progressivement vous augmentez la vitesse, mais pas avant d'avoir appris, si possible, la main gauche toute seule, par cœur, qu'elle puisse vraiment y aller, par cœur si possible, sans regarder. Voilà.
Voilà, là je regarde parce que j'ai eu un petit doute quand même. Mais dans l'idéal, c'est ça. Comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer ensuite sur les mesures, sur l'interprétation et sur le fait de réussir à jouer mains ensemble. Je vous refais juste une fois cette partie B, du coup, plus vite, en entier, comme ça vous aurez tout. Et après, on verra la partie de la fin. Et on n'a plus qu'à faire la partie C et vous aurez tout joué. Partie C, alors c'est celle qui est touffue, ça fait penser un petit peu à la fin de la comptine d'un autre été. Il va balancer un truc qui donne énormément d'espace avec une main droite comme ça qui joue dans les aigus. Oh, c'est joli comme tout. Alors, avantage de cette séquence, vous savez déjà faire la main gauche, puisqu'on retrouvera exactement la même chose que dans la partie B. Donc ça pourrait même être quasiment une partie B', mais comme ça, ça segmente mieux, je trouve. Donc, à la main droite, que se passe-t-il? On va essayer de le faire sur les quatre premières mesures, à savoir les mesures 73 à 76. Mi bémol, on est très loin du do du milieu. Hein. Premier mi bémol, deuxième mi bémol, troisième mi bémol. Ok? On voit bien l'écran, oui. Mi bémol pouce, d'accord ? 1 et 2 et 3 et, c'était la mesure 73. Mesure 74, 1 et 2. Alors, j'ai fait que là. 1, mi bémol au pouce, mi bémol, je tire mon petit doigt pour jouer le ré juste en dessous. On aurait pu utiliser un 4, mais après c'est relou pour ce qui suit. Donc plutôt 5, pouce, 5. 5, après Ré au pouce, Do au petit doigt. Et après, c'est pareil. Soit vous faites le Si bécart avec le petit doigt à nouveau, et après, on retrouve un Si complet, ça c'est tranquille. Soit 5 sur le Do, 4 au petit doigt, pouce sur le Si. Imaginons que pour les explications ici, je fasse tout avec le petit doigt, ce sera beaucoup plus simple. Je vous refais les mesures 73-74, deux premières mesures de cette dernière partie. Ensuite, Si, Si, Do, Do, Ré, Ré. Voilà, si vous avez ça, vous êtes vraiment bien parti. Donc, mains ensemble, pas vite. 1, 2, 3, 1. Et attention là. Alors ça, va falloir beaucoup le bosser, ce passage-là. Surtout la mesure 74. Après Si, Ré main gauche pour l'accord de Sol majeur. Ça va. Do, Do, Ré, Ré. Voilà. Je vous refais ces quatre mesures, on voit la suite. Après, on refait pareil. Trop cool. Ensuite 81, on se dirige vers un Fa mineur à la main gauche, Fa la bémol Do Fa et Do 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 Do. Là, Do. Mesure 82. Ah, alors j'ai fait Do, petit doigt, Do pouce, Do à nouveau, mais ce coup-ci avec le 4. Après Ré au petit doigt, Re Do 4. Pouce, et après on retrouvera notre élément pouce petit doigt, mesure 82. Et
quand on tape ce Do, se dirige vers un Do mineur renversé à la main gauche. Super, il ne reste pas grand-chose et vous savez tout faire. Je refais la mesure 81 quand on est en Fa mineur à la main gauche. Sur mon sol majeur, je fais tourner 6 bécards aux deux mains, aux petits doigts et aux pouces. Mesure 86. Et voici la mesure 87. Je vais vers un Do mineur, Do mi bémol, Sol, Do. Et je fais tourner Sol, Sol. Mesure 88, attention à la petite blague. C'est bien vu, ça a l'air de rien, mais franchement, ça crée une petite rupture hyper rafraîchissante. Mesure 88, donc je fais, au lieu de continuer à faire ça en boucle, je fais sol, petit doigt, sol, pouce, et deux fois le petit doigt. Re, sol, pouce, sol, petit doigt. Ok. Ok, dès que c'est fait, je vais vers un Fa mineur, renversé, Do à la basse, et je vais jouer Dodo. Et là, je retrouve. On l'avait déjà eu celui-là? Alors, je vous refais depuis mesure 88, pardon. Après, Do mineur. Et pour terminer, Si, Si avec l'accord de Sol majeur renversé. Termine par un accord de Do mineur qui va se jouer comme ça. Do, Do, Sol main droite, Mi bémol main gauche. Ensuite Mi bémol main droite, Sol main gauche, ça s'inverse. On garde tout enfoncé et on finit par Do, Do. Un joli accord de Do mineur. On termine dans la relative, dans la gamme dite relative de Mi bémol majeur. Voilà. Alors je vous rejoue toute cette dernière partie. Pas trop vite, et puis après pour la frime, je vous le jouerai au vrai tempo pour que vous voyez. Pour arriver à gérer ce truc-là, il va falloir vraiment le bosser lentement. Hein. Alors, c'est parti sur 73. Je ralentis et de plus en plus doux. Ouvrez tempo, ça va donner ça. Et ben voilà, vous savez absolument tout faire si vous avez pris le temps de travailler, comme je vous l'ai montré, mains séparées,
par cœur, et puis ensuite lentement par petits groupes de genre entre 2 et 4 mesures. Alors c'est comme dans tous les morceaux au piano, il faut être patient, voilà, et surtout apprécier, si vous savez jouer que 8 mesures par exemple, et bien appréciez-les. Essayez de mettre plein de bonnes intentions, là pour le coup des intentions musicales, de manière à ce que ce soit le plus agréable, surprenant et plein d'émotions. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous laissez un petit commentaire en dessous, ça me fera plaisir. Je pense en plus ce tuto à vue de nez, comme ça, avant d'avoir fait le montage, il fait au moins 32 minutes. Donc, il y a du matos. Donc, je vous laisse aller bosser. Plein de bonnes choses à vous, bonne musique, et puis, bon, plaisir de se revoir au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.